Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien mes chéris. J'espère que votre semaine a bien commencé. Bienvenue aux astuces d'Estie, bienvenue à notre chaîne de bien-être et de conseils. J'espère que les vacances se déroulent bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, comment détecter les faux amis? Comment savoir que vous avez en face de vous des faux amis? Vous savez, de nos jours, beaucoup de gens se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Beaucoup de gens vous approchent, ils sont comme des agneaux, mais figurez-vous, c'est des loups déguisés en agneaux. Dans les astuces d'Estelle, nous parlons des conseils de vie matrimoniale, nous parlons des problèmes de couple, et nous parlons aussi des problèmes quotidiens de notre société. Oui, un ami, c'est celui qui vous épaule. Un ami, c'est celui qui vous soutient. Un ami, c'est celui qui est avec vous à tout moment. Un ami, c'est celui qui est avec vous à tout moment. Un ami, c'est celui qui est capable de se sacrifier pour vous. Est-ce que de nos jours, on trouve encore cela? C'est ça la question. Est-ce que de nos jours, on rencontre encore des amis vrais? Parce que de nos jours, la compétition, la concurrence, la jalousie et bien des choses font en sorte que les gens se font passer pour vos amis. Mais au final, quand vous vous rendez compte avec du temps que ce n'était que des loups déguisés en agneaux, vous êtes plutôt choqués. Oui, mes chéris, c'est de cela qu'il s'agit. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet afin que la vidéo ne soit pas très longue. Oui, mes chéris, aujourd'hui nous allons parler des 6 clés pour détecter les faux amis. La première clé, les faux amis sont hypocrites. Les faux amis ne sont pas vrais. Méfiez-vous de ces personnes qui en face de vous, ils se comportent comme s'ils étaient à 100% avec vous, ils se comportent comme s'ils étaient des saints, des anges, mais quand vous tournez votre dos, quand vous n'êtes pas là, ils commencent à raconter des choses de vous. En face de vous, ces genre de personnes se comportent comment, mes chéris? En face de vous, ces genre de personnes-là, généralement, quand vous faites quelque chose, même si ce n'est pas beau, au lieu d'être honnête avec vous, ils vous font croire que c'est beau. Vous leur demandez leur avis, ou vous faire plaisir, ils vous font comprendre que ce que vous avez demandé, c'est logique, c'est beau, mais au fond, ils ne le pensent pas. Quand vous tournez le dos face à d'autres personnes, ces personnes vous déchirent, zappent votre personnalité, salissent votre réputation, disent trop de mal de vous. Quand les gens se mettent à parler négativement de vous, ils ne peuvent jamais vous défendre. Ils sont toujours là pour argumenter et donner leur point de vue qui, bien sûr, va tuer votre personnalité. Ça, c'est l'un des signes pour connaître les mauvais amis. Ils sont hypocrites. C'est des hypocrites nés. Des hypocrites nés, oui, les mauvais amis, les faux amis sont tellement hypocrites qu'ils ne se rendent même pas compte de cela. Ça s'est tellement enfoui en eux, leur personnalité est devenue tellement vague avec l'hypocrisie qu'à un moment donné, ils ne se rendent même plus compte de ce qu'ils font. Tellement c'est à visage découvert que vous vous rendez même compte et eux, ils ne se rendent pas compte. Oui, l'un des signes pour reconnaître les mauvais amis, c'est l'hypocrisie, mes chéris. Oui, ils sont hyper hypocrites. Mes chéris, le deuxième aspect, c'est quoi? Un faux ami, un ami qui n'est pas vrai, il est derrière vous par intérêt. Il y a plusieurs genres d'intérêt. Il vous appelle seulement quand il a besoin que vous lui rendiez un service. Il a besoin de vous quand il veut vous exploiter. Il vous approche toujours pour vous parler des choses dans lesquelles il y a leur intérêt. Quand ils se rendent compte qu'ils n'ont plus d'intérêt derrière vous, ils s'éloignent de vous. Les faux amis, quand ils ont besoin d'argent, ils vous approchent, vous en donnent, vous manipulent. Oh, tu sais, tu es ma bestie, tu sais, tu es ceci, tu es cela. Vous prenez le temps de leur donner ce qu'ils veulent. Quand ils tournent le dos, leur venin rejaillit. Les faux amis, quand ils sont avec vous, ils sont avec vous dans le but de profiter de vous.
C'est des éternels insatisfaits parce qu'ils sont toujours là pour en tirer quelque chose de vous. Du moment qu'ils n'ont plus besoin de vous, mes chéris, ils tournent le dos, ils s'en vont comme si vous n'avez pas existé. Ah oui, mes chéris, ça c'est le deuxième aspect. Oui, mes amours, les faux amis aiment être toujours au centre de vos attentions. Ils veulent être le centre de votre vie. Ils envahissent votre vie, ils envahissent votre intimité. Ils veulent que tout tourne autour d'eux. Ils veulent être toujours sur un piédestal. Quand ils se rendent compte que vous êtes sur un piédestal et qu'eux, ils ne sont pas, ça se transforme en la jalousie. Nous allons parler de cela qui sera le quatrième aspect. Oui, les fake friends, les faux amis, comme on le dit, ils veulent toujours être le centre de vos attentions. J'en ai connu une que chaque fois, même quand je parlais de ma sœur, elle était jalouse. Elle faisait au point qu'elle était jalouse de mon petit copain. Elle était jalouse des amis que j'abordais. Elle était même jalouse de mes frères et sœurs. Oui, j'ai connu une amie comme cela. Elle était jalouse au point où elle ne pouvait pas s'en passer du fait d'être toujours dans ma vie, envahir ma vie. Les faux amis envahissent votre vie. Les faux amis veulent être toujours le centre de votre attention. Quand ils se rendent compte qu'ils ne parviennent plus à être le centre de vos attentions, ils commencent à créer des problèmes inutiles. Oui, ça c'est le troisième aspect. Les faux amis veulent toujours être le centre de votre attention. Ils veulent toujours que votre vie tourne sur eux. Et ils ne veulent jamais vous voir avec quelqu'un d'autre. Ils s'arrangent à vous éloigner toujours des gens qui vous aiment, des gens qui vous adorent, pour s'accaparer de vous, parce que dans leur intention, ils ont l'impression qu'ils peuvent bouffer votre cerveau. Ah oui, mes amis, il s'agit aussi de ça. Oui, mes chéris, le quatrième aspect pour détecter les faux amis, c'est quoi? Ils sont jaloux. Quand vous êtes avec un ami qui n'est pas vrai, chaque fois que vous achetez quelque chose, il veut toujours acheter la même chose, soit identique, soit il s'arrange à acheter quelque chose de plus beau que pour vous. Si vous l'avez pris à 100 euros, il veut prendre à 150 euros pour vous montrer toujours qu'il est mieux que vous. Au lieu d'apprécier ce que vous avez acheté, il veut toujours acheter ce qui est mieux que le vôtre. Il veut toujours modifier ce que vous faites. Un faux ami, il veut toujours être la meilleure version de vous. Par contre, ce qu'ils ignorent, c'est qu'on ne peut pas se transformer en quelqu'un. On ne peut pas devenir quelqu'un. Chacun a sa personnalité. Les faux amis sont toujours en compétition avec vous. Les faux amis n'apprécient jamais votre évolution. Quand vous avez des choses positives qui arrivent dans votre vie, mes chéris, les faux amis, ils sont toujours là pour faire semblant. Ils ne jubilent jamais votre bonheur. Ils sont incapables de vous mettre sur le piédestal. Ils veulent toujours que c'est eux qui soient le centre des attentions. Quand ils se rendent compte que vous également, vous êtes le centre des attentions, que vous avez des réussites, que vous êtes heureux en amour, heureux en amitié, que vous êtes heureux dans tous les domaines de votre vie, oui, ça devient la jalousie. Et cette jalousie-là se transforme en méchanceté et en cruauté. Oui, ça c'est le quatrième aspect. Le cinquième aspect pour détecter les faux amis, c'est la jalousie. À force de chercher à être comme vous, à chercher à porter votre carapace pour être vous, les faux amis finissent par faire quoi? Ils finissent par vous jalouser. Quand ils se rendent compte que les gens vous apprécient quelque part, ils parlent de vous négativement. Ben, tu dis que celle-là, elle est comment? Oh, ben, ça, c'est le contraire. Ça, c'est une garce. Par exemple, qu'elle voit un homme qui vous apprécie et qui vous veut vous draguer. Oh, non, c'est une pétasse, c'est une pute. Non, il ne faut pas avoir affaire à elle. Quand ça rend compte que vous êtes dans votre relation amoureuse et qu'il y a des réussites, elles approchent toujours les gens qui sont chers pour vous, pour descendre votre personnalité. Oui, ça, c'est l'un des aspects pour détecter les fake friends. Ça, c'est l'un des aspects pour les détecter. Ils sont jaloux quand ils font tout dans votre vie et que votre vie continue toujours à progresser. Ah oui, mes chéris, quand ils se rendent compte que malgré tous les bâtons qu'ils mettent dans votre vie continue à aller dans le sens positif, oui, ça devient la jalousie, la haine, l'hypocrisie, ça se masque en plusieurs choses et à ce moment-là, ils ne parviennent plus à se contrôler. Ah oui, mes chéris.
En conclusion, mes chéris, nous allons dire que le sixième aspect, c'est quoi? Le sixième aspect, c'est qu'ils finissent par se transformer en PN, en pervers narcissique. Ils vous blâment toujours, ils font en sorte que vous croyez toujours que vous êtes en tort. Ils font comme s'ils étaient le centre de votre vie. Ils font en sorte que vous doutez de ce que vous valez, vous doutez de votre personnalité, parce qu'ils veulent au final que vous leur ressemblez. Oui, c'est une sorte de manipulation. Oui, mes chéris, nous allons conclure cette vidéo en disant, si vous constatez que vos amis sont comme cela, la seule chose que vous pouvez faire, mes chéris, c'est vous éloigner d'eux. Vous éloignez d'eux, silence radio. Évidemment, comme ils sont très hypocrites, ils vont venir chercher à s'excuser. Oui, mes chéris, qu'ils vont chercher à s'excuser, accordez-leur le pardon, mais éloignez de vous. Éloignez-vous d'eux. Ne vous blâmez pas à cause de leur comportement, parce qu'ils aiment souvent faire comme s'ils n'étaient jamais en temps. Ils veulent que vous vous culpabilisez. Oui, mes chéris, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et surtout de liker, de partager et de parler de d'autres thèmes que vous aimeriez qu'on aborde. Oui, mes chéris, le thème d'aujourd'hui était comment reconnaître les faux amis. Comment reconnaître des fake friends, les faux amis. Oui, les six aspects que je peux donner à mon niveau pour reconnaître les faux amis. Tant que vous ne les avez pas croisés, tant qu'ils n'ont pas infiltré votre vie, vous ne saurez pas de quoi je parle. Oui, mes chéris, tant que ces individus n'entrent pas dans votre vie et impactent votre vie au point où vous parvenez à sortir de leur emprise, vous ne vous rendrez jamais compte. Likez, partagez. C'était Estelle. Je vous aime, je vous adore. Ciao, ciao.